Bienvenue sur Chef Ouné TV, la chaîne YouTube consacrée à la cuisine à la plancha. Dans cette nouvelle recette à la plancha, je vous propose de cuisiner des noix de Saint-Jacques et des grosses crevettes avec une plancha de nouilles de riz, un peu comme un chou mein. Donc, je vais utiliser des noix de Saint-Jacques que j'ai décoquillées, des queues de crevettes que j'ai décortiquées. Pour la marinade, je vais utiliser du miso, de l'ail, du gingembre, pour condimenter cette marinade, du jus de yuzu, de l'huile de sésame, du mirin et du vinaigre de riz balsamique. En support gras, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Pour finaliser ce chow mein, je vais utiliser des algues. Ici, j'ai du beau wakame qui vient de Bretagne, qui était conservé dans de la saumure et qu'on ne peut utiliser comme des algues fraîches. Alors, nous allons réaliser la marinade au miso. Le miso, c'est une pâte composé de riz et de fèves de soja qui est fermenté et qui est affiné dans des fûts de chêne, un peu comme un vin. C'est vieilli dans des fûts de chêne et ça donne un petit goût très, très intéressant. Ça favorise l'umami, hein, qui est le goût savoureux. Donc je vais mettre à peu près, allez, la valeur de 2 belles cuillères à soupe. Ensuite, donc, je vais mettre la valeur d'une gousse d'ail hachée. Je vais mettre 2 cm de gingembre. Je vais délayer mon miso avec du mirin. Du mirin étant un saké de cuisine. Voilà. On a à peu près 5 centilitres. Je vais assaisonner avec un trait de jus de yuzu. Le yuzu étant un agrume japonais. Entre le pamplemousse et le citron vert. Un trait de vinaigre de riz noir et quelques gouttes d'huile de sésame. Et pour finir, un peu d'huile de tournesol. Voilà, pas beaucoup, 3-4 centilitres, ça suffit largement. Pour
pour homogénéiser cette marinade, je vais me donner un petit coup de girafe. Nous allons mettre à mariner nos noix de Saint-Jacques. Donc les noix de Saint-Jacques ont été décoquillées. Je les ai séchées, rincées, séchées. Donc je vais les mettre dans un petit sachet de conservation. Et je vais appliquer la marinade. Alors, faut pas hésiter à en mettre. Voilà. On va refermer le sachet. On va bien mélanger. Et on va pouvoir laisser ça au frais pendant une heure ou deux, le temps de préparer les légumes. On va faire de même avec les queues de crevettes. Donc j'ai conservé deux crevettes que je vais poser là. Entières, c'est pour la présentation. Je vous propose en garniture une plancha de nouilles de riz avec quelques petits légumes. Donc j'ai cuit mes nouilles de riz dans de l'eau 4 minutes, suivant les indications du fabricant. Je vais les agrémenter donc avec du chou chinois, du chou romanesco, des poivrons émincés, des oignons, des petites carottes jaunes, des carottes roses, des shiitakes, de la ciboule et en fin de cuisson, j'ajouterai donc mon wakame qui était donc dans une saumure et qui est comme une algue fraîche. Donc je vais détailler en petits morceaux. En assaisonnement, je vais utiliser de l'huile de sésame et du mirin. Nous allons faire notre chow mein de Saint-Jacques et grosse crevette. Donc je mets à cuire tous les petits légumes de la plancha de nouilles asiatiques. Donc c'est quelque chose qui doit être très coloré. Un petit peu de chou chinois. Je vais assaisonner avec un petit filet d'huile à wok. Tout regrouper. Voilà. Avec le mirin. Alors on entend la vapeur qui tombe sur la plaque. Vous dire, ça sent bon. Je sais, je le dis souvent, vous ne pouvez pas sentir, mais moi je sens.
vacuum. Les petites carottes, marinées au milieu. Les petites crevettes. Faire attention avec les miso, ça colore énormément. Hein.